60, 66, 67. Oh, damn. Là, on est en mode 1. En mode 1, ça jale pareil. Mais c'est pas terrible. Mode 2. Ça jale. Oui, mode 3. J'appuie juste un petit peu là. J'appuie plus. Calisse. Regarde ça. Ça vide le saut. Alors, on va accélérer en 3. Rien qu'un peu, hein? Ça tire juste un petit peu, hein? Puis là, on était en 3, hein, rappelez-vous. On n'était pas en Ludo. En Ludo, là, on délivre, je crois, 400 watts de plus encore. On était à 2300 watts de power. 2, 3. On est en Ludo. Et Chris. Ludo, ça tire. Regarde, check ça. Un petit coup, check. On dirait une Dualtron. Ça, je te jure, ça tire autant. Ça tire autant qu'une Victor à peu près. C'est ça. Gardez-moi l'accélération. Gros, je pense qu'on a pris 45 km/h en même pas 2 secondes. L'accel de malade, gros. C'est crazy. C'est fou dans la tête. C'est tellement l'affaire la plus nice ever au monde. C'est Christmas nice.
D'ailleurs, pour info, s'il y en a qui veulent savoir à combien de km/h elle peut aller maximum, elle est débridée à 80 km/h. Fait que, elle peut rouler en tabarnache. Autre info inutile que vous avez peut-être pas envie de savoir, mais j'ai découvert que dans ma Apollo Ghost, j'avais une batterie plus grosse que je pensais. Au lieu d'avoir une 18.2 ampère-heure, je me suis rendu compte que j'avais une 23.4 ampère-heure. De là que j'ai une autonomie de malade qui dépasse les 70 km. Avant, elle était bridée à 60. Là, j'ai réussi à la débrider à 80. 100 max 80, là, franchement, là, je dirais que j'en ai plein mon casse. Autre point positif avec cette trotte-là, c'est que c'est pas pour rien qu'on l'appelle la Apollo Ghost. C'est vraiment Ghost en maudit. Ça tire beaucoup, mais ça fait pas de bruit. Ah, j'étais en goût. Oh, regarde les outardes. Les outardes, maudit. Vol. Regardez, vitesse maximale. 50. 60. 66. 67. On va arrêter là. C'était extrêmement intense.